Je suis heureuse de vous retrouver en cette nouvelle fin de semaine, une semaine durant laquelle j'ai l'étrange sentiment de ne pas avoir touché terre. Mais avant de vous partager quelques bribes de la semaine qui vient de s'écouler, je tenais à remercier NordVPN, qui nous accompagne depuis de nombreuses années et qui sponsorise cette vidéo, permettant ainsi à la chaîne de vivre et d'offrir du contenu accessible à tous sans distinction depuis presque 7 ans déjà. NordVPN, vous connaissez sûrement déjà car c'est un service que l'on utilise de longue date à titre personnel et dont je prends plaisir à vous parler de temps en temps. Ils offrent de nombreux avantages, notamment en nous permettant de localiser l'adresse IP de son ordinateur à une adresse IP différente de la nôtre. En plus de protéger nos données, notre activité en ligne. Et j'ai dû ces derniers temps gérer pas mal de paperasse en ligne sur des sites qui ne tolèrent des adresses IP provenant uniquement du pays en question, et NordVPN m'a encore bien servi. En dehors des quelques secondes de connexion au démarrage de l'application, lorsque j'ouvre l'ordinateur, je n'ai jamais noté de différence significative en termes de vitesse de navigation que si je n'avais pas mon VPN activé. Et vu qu'il possède de toute façon 5600 serveurs sur l'ensemble des 60 pays qu'il propose, eh bien si un serveur ne nous convient pas, on peut toujours changer. Pour ma part, NordVPN est en connexion automatique sur mes appareils et j'utilise aussi l'option WPN qui permet de protéger mes informations derrière non plus une seule mais deux adresses IP. Les applications, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le smartphone, sont simples et intuitives, ce qui les rend vraiment très faciles à utiliser. Grâce à NordLocker et NordPass, qui sont aussi des services proposés par NordVPN, eh bien notre abonnement nous permet de stocker tous nos mots de passe à rallonge et des dossiers importants ailleurs que dans l'ordinateur. Si ce sont des services qui vous intéressent, mais que vous n'avez pas encore sauté le pas car vous ne souhaitez pas vous engager, eh bien NordVPN propose une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, qui vous permet de tester leur service et de décider si oui ou non vous souhaitez continuer. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description. Et si cela vous intéresse de bénéficier de 4 mois supplémentaires offerts pour toute souscription à l'offre de 2 ans, et bien n'hésitez pas à utiliser le code FAMILYCOST ou à utiliser notre lien en direct. Et sur ce, je vous emmène avec nous pour vous repartager cette semaine passée à la vitesse de l'éclair. Bon, on a dû trouver une solution avec Eleanor parce que les cannes n'arrêtaient pas de pondre en plus de couver. On avait une qui couvait et les deux autres qui allaient pondre à l'intérieur. Ce qui fait que au début j'ai enlevé les œufs parce que on n'avait pas envie d'avoir de caneton. On n'a toujours pas envie d'avoir un caneton. Mais on les enlevait, sauf que la canne n'appréciait pas du tout et elle me chassait, ce que je peux comprendre clairement. Donc au final, j'ai fini par lui laisser en me disant « Bon, c'est bon, ça va arrêter, les autres ne vont pas venir pondre. » Sauf qu'en fait, elles ont continué à venir pondre et qu'il y en a une deuxième qui s'est mise à couver. Ouh, mais elles n'apprécient pas trop de voir Fleurette à côté des œufs. Donc, on a trouvé une solution avec Eleanor. On a mis un grillage donc sur la totalité. Et alors, elles ont un bassin avec de l'eau que je remplis tous les jours, un jour sur deux, dépendamment de l'état de l'eau, à manger, du coup à boire dans le bassin, et elle couve tous les œufs et je n'ai aucune idée de la quantité d'œufs, mais il faut savoir que ça déborde et qu'en plus il y a la même quantité sous l'autre canne. Oui ma Fleurette, elles n'ont pas très envie que tu les embêtes mon cœur, ou que tu t'approches en tout cas. Donc voilà, les cannes ça couve 28 jours, là ça fait 2 semaines, donc d'ici je pense 2 semaines on aura des canetons qu'on va pas garder, on va les... Là où on a trouvé les nôtres, je sais qu'ils en achètent. Donc on va leur proposer, voir s'ils sont intéressés de récupérer les nôtres. Et puis voilà. On verra bien. Surprise. Mais je crois que la surprise, ça va être sur la quantité. Et ça va être la quantité de canne. Qu'est-ce qui se passe chérie? Ça sent pas très bon? Pour la petite histoire, pour savoir pourquoi ça pue quand même, parce que c'est vraiment le mot, ça sent très mauvais. Sirius a chassé ce qui sent le putois, ce qui ressemble à un mini putois. Il y a la queue noire et blanche. Ça aurait plutôt la taille d'un furet, donc c'est assez étrange. Donc qu'est-ce qu'il en reste? Et il s'est dit que la piscine c'était un bon endroit pour venir déguster son nez. Donc voilà, il s'est posé juste à côté. Et je trouvais que l'odeur était vraiment pestilentielle. J'ai fini par aller voir ce que c'était. Et en fait, du coup, j'ai vu que Cyrus se faisait son petit festin du matin. Bon appétit! Il est tout juste 7 heures, l'odeur est vraiment fort peu agréable.
Mais bon, c'est la nature. Il y a déjà plein de trucs qu'on ne les autorise pas à chasser. Si on ne peut pas les laisser chasser, ça, voilà, ça reste des chiens et particulièrement bah, des chiens de leur race, donc ça chasse. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Cela dit, Orion n'y touche pas. Ça, c'est pas plus mal. On a des choses à dire, mon capou. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est de l'eau avec pomme carotte que j'ai donné. Chincha, poulet au canard. Bah oui, ma belle, je vais bien te remettre avec les autres, mais le coq, il est vraiment pas cool avec toi. Voilà. Il est vraiment très 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 dominateur sur elle et en général il la lâche pas. Donc on l'avait mise à côté petit moment. Alors à noter qu'elle était avec les canards ici, donc elle était juste à côté des poules, donc elle se voyait quand même. Mais c'est vrai que je voulais. Enfin, elle était vraiment épuisée et puis on sentait assez cru qu'elle n'arrivait pas à avoir du répit. Et lui il la lâchait pas. Donc on l'a mise de côté le temps qu'elle puisse reprendre un peu du poil de la bête parce qu'elle se laissait... ouais, elle le vivait pas bien. Donc bon, et puis elle est encore petite et le coq est mastoc. Oh ma pauvre, il te lâche pas. Ouais, elle est adorable. Je n'ai jamais imaginé que je puisse servir de... Je ne sais pas comment on peut dire, mais... De perchoir, merci chérie. Je précise qu'elle est montée toute seule. Hein? Tu m'as regardée, tu as déployé tes ailes et... Comme ça. T'es bien là? Tu te sens en sécurité? Bah oui, je sais, tu parles beaucoup. Hein. Toi, t'es une grande causeuse. Hein. Cette semaine, j'avais initialement prévu de vous parler de quelque chose de très différent. Mais comme la vie est toujours pleine de surprises et qu'on ne sait jamais ce qui nous attend au détour d'un chemin, alors que j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, j'entends toquer à la porte. Les yeux écarquillés et la voix affolée de B me font immédiatement comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est alors qu'elle enchaîne. « Les moutons sont dans le potager !» Je sors en trombe, attrape mes chaussures et les enfile en courant. En effet, une horde de moutons, ou plutôt le reste du troupeau qui nous visite quasi quotidiennement depuis déjà plusieurs semaines, avait envahi les allées du potager. Ils étaient partout, et surtout là où ils ne devaient pas être. « On a un petit... Chérie ! Mouton au potager ! Mouton !» Jure la tue-tête après Sébastien qui, le pauvre, était en train de travailler au champ avec son casque sur la tête et la musique à fond dans les oreilles, n'entendait pas grand-chose, voire absolument rien du tout. Je somme alors à des enfants de me rejoindre au plus vite et d'attraper les cordes. À coups de grands signes dignes d'une piste d'atterrissage, j'arrive à alpaguer Sébastien. Il finit par percevoir que j'ai désespérément besoin d'aide et accours au plus vite. Je viens d'hurler urgence potager à Seb. On a des visiteurs dans le potager. Voici donc nos quelques pensionnaires temporaires. Ce dimanche 2 avril marque une date très importante.
Il y a 7 ans, jour pour jour, nous prenions la direction de Saint-Prosper, un petit village de la province du Québec, pour retrouver des amis autour d'un traditionnel repas dans la cabane à sucre tout aussi traditionnelle de Jean-Louis Massicotte. Après un super moment passé sur place, la soirée se prolonge alors chez nous, autour d'un apéro tapas où, comme souvent, nous passons de longues heures à refaire le monde. Ce soir-là, il y a 7 ans, jour pour jour, nous prenions la décision d'acheter une caravane américaine et partir vivre sur les routes. Sept ans plus tard, après des milliers de kilomètres parcourus, du Canada au Panama, notre vie a à nouveau pris une nouvelle direction, celle du retour à la Terre. S'il existe bien un point commun à ces deux modes de vie si différents en apparence, c'est bien la liberté. La liberté de choisir, d'être maître de nos décisions, la liberté de vivre, la liberté d'être. Ces 7 années furent un chemin et jamais une destination, et je ne doute guère que les 7 années à venir le seront tout autant. Qui saurait dire de quoi demain sera fait? Continuerons-nous d'avancer à pas de fourmi dans cette quête d'autonomie? Quel avenir se dessine pour notre famille comme pour chacun de nous? Quelle prise avons-nous sur celui-là? Elle est belle, ma patate! Autant de questions qui nous mèneraient à refaire le monde de nouveau durant des nuits entières et qui apporteraient pourtant des réponses si différentes pour chacun d'entre nous. Ce dimanche 2 avril, nous célébrons une décision qui a changé nos vies. Une décision de plus dans la longue liste de tous ces moments clés qui ont jalonné nos vies et qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous faisons ce que nous faisons. Avez-vous, vous aussi, des dates comme celle-ci qui marquent un tournant dans votre vie, un virage à 180 degrés sur le chemin d'une vie que vous vous étiez imaginée? Où étiez-vous et que faisiez-vous il y a 7 ans? Alors aujourd'hui, en ce 2 avril 2023, je voulais célébrer la vie, célébrer les choix, célébrer nos chemins de vie à tous, qui sont parfois jalonnés de plus ou moins grosses pierres et qui conduisent parfois à prendre des décisions inattendues, voire même totalement insoupçonnées, et célébrer l'avenir, car même s'il fait peur, le temps ne s'arrête pas et nous n'avons pas d'autres issues que de le vivre et passer au travers. Et qui sait, espérons-le, semer graine après graine les prémices d'un avenir plus doux. Alors, de notre côté, nous continuons notre petit bout de chemin, semant nos graines, récoltant nos fruits, appréciant le calme et les moments de complicité, travaillant à notre rythme pour bâtir les fondations de ces années à venir que nous espérons encore nombreuses. Très bien, Timothy. Excellent. Continue. Réussir à mettre ce petit tuyau-là, là-dedans. Donc il faudra peut-être jouer un peu. Là-dedans, dans la gouttière. Ouais. Est-ce qu'on s'entend? C'est bon. On va s'entendre, je pense, par là. Ok. Lorsque Seb finira enfin par lâcher ses casquettes d'électricien et d'agriculteur en herbe, ce sera pour les troquer contre celles de maçon.
Collins. Je vous entends pas. Hein. Ah. Ah. Simon, deux de ça, trois de gravier. Je retourne à ma musique, ça me motive. Bon, les maçons, ne me jugez pas, je suis pas maçon. Nous aurons fini la semaine avec des proches, jeudi aux côtés du parrain de Timothy pour célébrer sa journée d'anniversaire et vendredi auprès d'amis mexicains vivant dans un village tout proche. Ainsi s'est clôturée cette semaine à 100 à l'heure, fermant une belle parenthèse de 7 ans pour en laisser place à une autre. Un nouvel interlude qui me remplit de joie à l'idée de continuer à vous en partager quelques bribes. Alors, à dimanche prochain pour de nouvelles aventures et encore merci pour votre confiance ainsi qu'à NordVPN pour la leur. Non, tu peux pas rentrer, tu peux pas venir avec moi, coquin. Je viens de chanter.